Neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Vierge sainte, Dieu t'a choisie. Troisième jour de la neuvaine. Notre-Dame du Perpétuel Secours assiste ses enfants qui lui sont fidèles pour les faire sortir de la tiédeur. Elle est immense, la tendresse de Notre-Dame envers les pécheurs. Notre-Dame du Perpétuel Secours se sent concernée par les âmes négligentes, tièdes, celles qui fréquentent parfois les sacrements. Cependant, elle ne s'efforce pas d'obtenir que Dieu soit servi et elles remplissent ainsi leur vie de fautes vénielles volontaires, avec une légèreté qui expédie leurs prières et autres dévotions. Elles entendent la messe, elles se confessent peut-être et communient, mais elles le font par routine ou respect humain, sans fruit, sans avancement dans la vertu. Sainte Thérèse d'Avila vit l'endroit qui lui était destiné dans l'enfer, si elle ne devenait pas plus fervente. Si tu veux secouer ce joug funeste, lève les yeux, contemple l'image de ton affectueuse mère du Perpétuel Secours. Ne vois-tu pas sur son front une étoile brillante? C'est le symbole de ton espérance. Mets ta confiance en elle, commence à la servir avec fidélité et tu sentiras ton cœur se transformer. Oh, combien d'âmes sont sorties de la tiédeur le jour même où elles ont commencé à avoir de la dévotion envers elle. Ce qui te manque, c'est un puissant amour. Elle est la mère de cette fervente charité qui embellit les âmes. Elle te présentera au divin enfant qui repose dans ses bras, lui disant: mon fils, voyez cette pauvre âme, elle n'a pas un véritable amour. Ta froideur se convertira alors en ferveur, comme l'eau s'est convertie en vin.
Notre-Dame t'inspirera un goût spécial pour la méditation des vérités éternelles. Elle te communiquera une singulière dévotion à l'Eucharistie et tu pourras ainsi rompre les chaînes qui te tiennent emprisonnée et devenir les délices du cœur sacré de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre divin amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Venez, Esprit Saint, venez par la puissante intercession de Marie, votre épouse bien-aimée, venez nous embraser. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Très Sainte Vierge Marie, qui, pour nous inspirer une confiance sans borne, avait voulu prendre le très doux nom de Mère du Perpétuel Secours, je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu, dans mes tentations, après mes chutes, dans mes difficultés, dans toutes les misères de la vie et surtout à l'heure de la mort. Concédez-moi, ô Mère aimante, la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous sans cesse. Avec la confiance d'un enfant, afin que par ma supplication constante, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-moi, ô tendre mère toute de bonté, priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Ma Mère du Perpétuel Secours, intercédez pour moi et obtenez-moi le pardon de mes péchés. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En ce moment, frères et sœurs, présentons notre demande à Maman Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Déposons notre demande pour cette neuvaine dans le cœur immaculé de Marie, tout en déposant tous les pères que nous célébrons aujourd'hui, en ce jour de la fête des pères. Maman Marie, écoute nos prières. Jean, père du bataille. Ave Maria, pas gagné, bon Dieu, pas qu'a fait. Merci, Maman Marie, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ma Mère du perpétuel secours, intercédez pour moi et obtenez-moi le pardon de mes péchés. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et méditation du troisième jour. Méditation sur l'icône. De chaque côté de l'auréole qui entoure le visage de Notre-Dame sont dessinées de grandes lettres. Ce sont les initiales des mots Mère de Dieu. À droite de la tête de Jésus, on aperçoit les lettres de son nom, Jésus-Christ. Parce que Marie, tu es la mère du Fils de Dieu fait homme, tu es aussi secours perpétuel, sûr, irrésistible, intercession sans fin,
prière efficace pour obtenir ce que nous demandons. Tu es Mère de Dieu. C'est ton titre principal, unique, exclusif. C'est toi seul que nous exaltons et vénérons. C'est en toi seul que nous nous réjouissons par-dessus toutes les créatures. Dieu, de génération en génération, continue de révéler en toi sa miséricorde pour tous les fidèles. C'est pour cela que tous te proclament bienheureuse. Prions en ce troisième jour de la neuvaine. Présentons notre demande une troisième fois pour une nouvelle grâce et ayons une intention spéciale pour tous les pères en ce jour de la fête des pères. Ou même du vin, on finit le moment ça. Allez avec maman Marie. Maman, moi, dans rayon danse, pas gué du vin encore. Par contre, qui ça pour faire, alcool Jésus pour moi. Maman, n'a rien combat, et lui en blé douillé. Pas qu'à bataille pour corps, que les Jésus pour moi. Ô Mère du perpétuel secours, ne permettez pas que je tombe dans la tiédeur. Et si par malheur j'y étais tombée, faites en sorte que je m'en relève bientôt. Ô ma mère, je suis une de ces âmes malheureuses qui mérite de me voir abandonnée de votre Fils et de vous, dans le misérable état de tiédeur où je vis depuis déjà tant d'années. Mais les nouvelles lumières qu'il me communique aujourd'hui par votre intercession et cette voix mystérieuse qui m'appelle à le servir avec ferveur sont des signes qu'il ne m'a pas encore abandonné. Ô Mère de toute bonté, je n'ai pas de ferveur, je n'aime pas Jésus comme je devrais l'aimer, et je désire cependant être tout à lui. Aidez-moi à haïr extrêmement le péché. Augmentez ma ferveur. Priez. Ne cessez pas de prier pour moi afin que j'arrive au ciel où je serai à l'abri de tout danger de perdre Dieu, certain de l'aimer toujours et de vous aimer vous aussi, ô Mère du perpétuel secours. Pour toute l'éternité. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez l'Église, protégez le monde entier, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez l'Église, protégez le monde entier, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous implorer votre protection ou réclamer votre secours ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes humbles prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ave, 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 Maria. Litanie de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui es Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui es Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Maintenant on répond, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Reine conçue sans péché, priez pour nous. Reine du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Et maintenant, après chaque invocation, on répond, venez à notre secours, ô charitable Mère. Mère du Perpétuel Secours, dont le nom inspire la confiance, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous nous conformions en toutes choses à la volonté de Dieu et à celle de votre divin Fils, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous puissions déjouer les pièges du malin,
Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous nous souvenions toujours de nos derniers moments. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous nous approchions toujours des sacrements avec ferveur. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous évitions toute occasion de péché. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous ne négligions jamais la prière. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous n'oublions jamais de vous invoquer dans les moments de tentation. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous soyons toujours victorieux des tentations du malin. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous pardonnions généreusement à tous nos ennemis. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous ne puissions jamais commettre de péché mortel. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous évitions toute mauvaise fréquentation. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous puissions être fortifiés dans notre inconstance. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous ne puissions jamais remettre notre conversion quotidienne. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous combattions nos mauvaises habitudes avec zèle. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous vous aimions toujours plus. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous portions notre prochain à vous aimer, à vous servir et à vous invoquer. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous vivions et que nous mourions dans l'amitié de Dieu. Venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans tous les besoins de l'âme et du corps, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans notre pauvreté et dans notre détresse, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans les persécutions et les moments d'abandon, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans les moments où notre esprit souffrira, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans les périodes de guerre, de famine et d'épidémie, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans toutes les occasions de péché, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous sommes assaillis par les forces du mal, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous succombons aux tentations de ce monde, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous luttons contre les mauvais penchants de notre nature corrompue, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous sommes tentés contre la sainte vertu de pureté, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand la mort se rapproche, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous perdons nos sens, venez à notre secours, ô charitable Mère. Au moment de notre départ de ce monde, pour que nous ne soyons pas remplis de crainte et de terreur, venez à notre secours, ô charitable Mère. Au moment de la mort, quand le mauvais essaiera de plonger mon esprit dans le désespoir, venez à notre secours, ô charitable Mère.
Au moment où le prêtre nous donnera la dernière absolution et la dernière bénédiction, venez à notre secours, ô charitable mère. Quand nos amis et nos relations entoureront notre lit avec compassion pour invoquer sous la clémence de votre nom, venez à notre secours, ô charitable mère. Quand ce monde disparaîtra de notre vue et que notre cœur cessera de battre pour toujours, venez à notre secours, ô charitable mère. Pour que nous remettions notre âme entre les mains du Créateur, venez à notre secours, ô charitable mère. Quand notre âme paraîtra devant le souverain juge, venez à notre secours, ô charitable mère. Lorsque la sentence irrévocable sera prononcée, venez à notre secours, ô charitable mère. Quand nous serons en purgatoire et que nous soupirerons après la vision de Dieu, venez à notre secours, ô charitable mère. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, ô Mère du perpétuel secours, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, qui, en vue de secourir la race humaine, avez voulu que la bienheureuse Vierge Marie devienne la mère de votre Fils unique, accordez-nous par son intercession, nous vous en supplions, de toujours éviter la contagion du péché, pour que nous vous servions toujours avec un cœur pur. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous. Secourez Haïti, secourez l'Église, protégez le monde entier, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Que le Seigneur Tout-Puissant, par Marie, Notre-Dame du perpétuel secours nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Maintenant, mettons-nous debout pour saluer notre mère, au pied du trône de Marie. Au pied du trône
de Marie, qu'on est heureux de se revoir près de cette mère chérie, qu'on est ma prière chaque jour. Ô tu chrétien, l'unique espoir, ô Vierge sainte, vois tes enfants à tes genoux, bénis-les tous, bénis celui qui te révère, bénis le pécheur malheureux, bénis le pauvre en sans chaumière, bénis le riche généreux. N'es-tu pas là, Reine des cieux et de la terre, vois tes enfants à tes genoux, bénis-les tous. Nous allons quitter cette enceinte où chacun vient te supplier. Nous te quittons, mais sois sans crainte. Nos cœurs ne sauraient oublier. Demain toujours pour te prier. Ô Vierge sainte, nous reviendrons encore te voir, Mère sainte.